Bon, allez, j'y vais. À plus. Tu m'enverras les coordonnées, bisous. Tu m'enverras les coordonnées, s'il te plaît, Blue. Ok. Oh putain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous connaissez le chat? Ouais. Est-ce que vous savez c'est qui? C'est toi le chat. Oh, tiens. Allez, ferme-la. Ah, bonsoir, monsieur McGarrigan. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Ah, ça va, ça va. Vous auriez pas vu un homme me mettre un coup, un petit coup de pied là qui m'aurait assommé pendant une bonne heure? Une bonne heure? Ouais. Putain, t'en passes facile. Il est parti par là, il est parti par là. Ouais, il doit être parti par là, ouais. Il y a moyen, ouais. Bon, de toute façon, vous savez, il n'y a qu'une issue dans ce comité derrière, j'ai envie de vous dire. Bah non, on peut sortir par derrière. Le prochain qui passe à pied, je lui mets une mandale, celui de chat. N'importe qui que ça soit. Si c'est le commandant, c'est 1000 balles chacun, vous me donnez, hein, je vous le dis. Et attends, parce que l'officier a dit j'arrive et on l'a plus jamais revu, hein. Dis. Prends l'élan et glisse sur la rampe, Jonathan. Ok. Vas-y, hein. Et je te rattrape ici. Mais non, mais il a mais t'as raté la rampe, du con. J'ai tapé le poteau, putain. Tu venais pour quoi, toi, Johnson? Bonjour, messieurs. Bonsoir, comment vous allez, monsieur? Vous êtes numéro combien? 07. Vous allez bien, 07? Ça va, et vous? Ça va très bien. Oui. C'est pour l'homme à droite. À ma droite, il aimerait mourir, donc est-ce qu'on peut atténuer ses souffrances très rapidement, s'il vous plaît, monsieur? Oula, non, on va éviter déjà. D'accord. Est-ce que nous, on peut le faire? Négatif. Oh, dommage. Ok. Alors, tiens, au niveau des docks, c'est par ici, vous savez quoi, on va se diriger, on va aller là, comme ça, hop, ça va être carré comme la Corée, non masqué, on est d'accord, hein. Ouais, j'y vais non masqué. Je suis pas très loin des docks, j'attends la position. Bien pris, j'arrive au niveau de la Maze Bank Arena, et je suis pas loin, je suis à 800 mètres. La mission banque centrale est lancée. Attends, tu prends que des renseignements, hein? Ah oui. Ok, d'accord, tu m'as fait peur. Ok, ça roule. Ici Radio, on est près des docks. Si jamais il se passe quelque chose, vous savez qu'on avait rendez-vous avec les Italiens. Bien prêt. Ils vont nous prendre radio et téléphone pour info. Pour info, les docks, c'est l'endroit où il y avait le Vanderdalm lourde avant qu'il bouge. Toutes les unités, faites attention, c'est le commandant le chat. Et voilà. Buonasera, messieurs. Heureux de vous voir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je vous demande juste de vous emprunter vos radios et vos moyens de communication le temps de notre rendez-vous. Bien sûr. Ah, vous serons... quand même, s'il vous plaît. Mais c'est moi. Ah, mais oui, je suis bête. Je suis Vito. J'ai mon casque. D'accord. Comment vas-tu? Oui, excusez-moi. Ça va bien. Ça va bien. Tiens, le téléphone. Merci beaucoup. Et tiens, la radio. Merci à vous d'être venu et surtout merci de comprendre nos... Merci, monsieur Di. C'est bon. Je vous invite à nous suivre dans notre véhicule. Montez dans notre véhicule. C'est pas celle-là. Non, ce n'est pas ma voiture. Oui. Ce n'est pas mon véhicule. Attendez, allez-y, montez devant. Merci. Ah bah, attendez. A priori. Vous allez y arriver. Ah, mais c'est pas facile, hein. Attendez. Voilà. Eh ben, dis donc. Reçu radio. Allez, vous pouvez nous suivre, les trois voitures, les deux voitures. Bon, messieurs, excusez-moi pour ce dispositif, mais comme j'expliquais dans les mails à monsieur J, nous sommes dans une situation très particulière. Gator, quand je vous dirai go, vous irez chercher le dernier et vous nous rejoignez. Je vous envoie la position. Le dernier? Un homme de main. Il va me falloir un bon résumé, messieurs, par contre. Oui, bien sûr, c'est le but de cet échange. Emmanuel, t'as rangé ton deuxième téléphone? Tout est rangé. C'est bon. T'es toujours en direct avec le capitaine? Ouais, absolument. C'est... Par contre, le marqueur GPS, ne le mettez pas là. Un peu, voilà, sous le fauteuil, c'est mieux. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît, l'hélicoptère peine à vous suivre. Ralentis un peu. Vous êtes sorti des snipers, vous pouvez reculer un petit peu. Ah, vous avez loupé la mine sur la route. Radio, vous avez préparé les sacs mortuaires pour nous éclairer. Ça s'en met normalement. Essayez de la prendre, s'il vous plaît. Oui. Mais si vous avez la chaux, c'est parfait. Ils sont deux. Il y en a un qui a des lunettes, mais je l'enlèverai au moment de sa main. Hein, à tout à l'heure. Ah, c'était à droite pour les Hers. Ah putain, vraiment on n'a pas de bol. Hein. Quand vous aurez fini, vous me le direz. Écoutez messieurs, on sait pas trop ce qui se passe. Va falloir faire un petit effort, hein. Ah mais l'effort est fourni de notre côté, hein. Ah oui. Vous avez l'air stressé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air sur vos gardes. On est extrêmement sur nos gardes, monsieur Dieu. Descendez pas de la voiture. Voilà, on attend l'arrêt complet du véhicule, merci. Je m'occupe des autres, hein. C'est. Ah, c'est toujours plus bien, sympa de poser un petit oui, point. Oui. Radio, vous me dites quand tout est opérationnel et on commencera la conversation en toute sérénité. Bon, ça va vous sinon? Oui, écoutez. Bah, mieux ça, que vous, on dirait. Oui, clairement, oui. Oui, mieux que nous, en effet, certes. Et il manque un petit peu d'effectif comparé à la dernière fois quand je vous ai vu chez vous, là. Non. Ah, on va dire que c'est dispatch. Et la sœur de Vito? Elle va bien. Radio, s'il vous plaît, messieurs. Il y aurait besoin de Bill près de moi. Edouard, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu votre père en ville. Alors oui, ça c'est bien exact. Papa, il est retourné en Sicile. Il m'a donné la charge et il a dit l'Amérique,
Ce n'est pas pour moi, Dino. Et ça ne l'intéresse pas. Il a donné toute sa vie à faire grandir la famille en Sicile et il ne veut pas recommencer. Vous voyez ? Oui, je comprends bien. Ouais. Il reste en Italie, je reste à gérer des affaires ici en Amérique. D'accord. Eh bien, vous lui passerez le bonjour quand vous le croiserez. Bien sûr, bien sûr. Messieurs, je vous présente l'homme responsable de tous les drames. Par respect envers ces messieurs, Bill, je vais te demander de retirer ton masque et de te dévoiler ton identité. Bien sûr. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Effectivement, il fait pas très italien. Non, il fait pas très italien. Effectivement, oui. Présente-toi, ces messieurs. Je m'appelle Jones, Blake Jones. Je suis avocat au barreau de la ville de Los Santos. J'appartenais à l'organisation de Milos Tava. Okay. Alors, ces messieurs appartenaient en effet à des alliés. Nous avions, comment dire, un allié puissant, un allié intéressant pour notre business. Il s'avère que ce groupe, cette organisation, a fait le choix stratégique d'espionner et de s'implanter dans tous les groupes avec qui ils ont un business. Monsieur Blake avait la responsabilité de nous infiltrer. Il avait la responsabilité de nous infiltrer, de gagner notre confiance, etc., etc. Chose étant, c'est que Monsieur Blake a fait le choix de porter allégeance à notre famille. Et auquel cas, il a décidé de nous dévoiler, comment on dit en américain, le pot-au-feu que tramait Monsieur Tavin. Et il s'avère, messieurs, que ce n'est pas bon. Alors j'ignore si vous êtes en relation avec ce monsieur, avec ce groupe Eagle, mais sachez qu'il a beaucoup d'informations et qu'il a constitué un dossier en vue de faire chanter tout le monde, tous les associés, pour un jour prendre le contrôle. Donc il se sert des gens tant que son business l'intéresse et dès qu'il peut, il écrase. Le fait que nous ayons recruté Monsieur Jones, nous avons eu un rendez-vous avec Monsieur Tavin pour lui expliquer simplement, voilà, nous désirons récupérer votre homme, etc., etc. Il n'a pas aimé et il a transpiré. Il a transpiré à tel point qu'il nous a fait comprendre que notre homme avait des informations, qu'il fallait pas qu'on l'écoute, qu'il pouvait dire des bêtises, etc., etc. Et Monsieur Blake, à ce moment-là, nous avait vraiment fourni des informations extrêmement précieuses et extrêmement intéressantes. Et comme je vous ai dit par mail, Monsieur Racal, vous êtes concerné et cité au sein de ce document. Effectivement, on va voir si ce monsieur dit vrai. Si vous dites vrai, vu que j'ai déjà travaillé avec Monsieur Tavin, qu'est-ce que vous savez sur moi, Monsieur Jones ? Vous appelez Emmanuel Racal. Vous travaillez chez les taxis et vous appartenez à une organisation. Et elle est où, la surprise ? Oui, parce que là, on attend. D'accord. Tu l'as pas dit que c'est dans une organisation de quoi ? Oh, c'est du commerce de bananes. D'accord. Tu fais du poker le week-end ? C'est du commerce de cocaïne. Non, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Du commerce de ? De cocaïne. Bah, merci de balancer. Bah, vous me demandez. Super. Bah, bravo, bah, super, mais pourquoi ? Vous me demandez de savoir ce que je fais sur vous. Il rigole avec toi. En effet, votre nom de code a fouté, monsieur Racal. Vos activités ont fuité, en tout cas elles sont répertoriées et notées. D'accord. Et j'avais pour mission de vous infiltrer, j'ai entendu, je suis en contact avec vous. Voilà, il avait pour Tavin de donner l'ordre à monsieur Blake également de gagner de votre confiance et de s'infiltrer. Si vous me permettez de vous couper, on est deux avocats, celui qui avait le plus d'appointance avec tes organisations se chargeait de les infiltrer. Au début j'étais seul dans cette mission, on s'est très vite rendu compte que c'était impossible que j'arrive à infiltrer tous les groupes, vu que moi je m'entendais bien effectivement avec la famille, oui, c'était mon rôle d'infiltrer la famille. Après, le but était d'avoir des contacts dans toutes les organisations, dont la vôtre, okay. Pour effectivement avoir des infos. L'organisation de cocaïne, c'est ça ? Oui, après, il n'y a pas que ça que je sais, quoi, effectivement, oui. Bon, bah, vas-y, après, le but a toujours été de récolter le plus d'informations sur vous, dans le but plus ou moins un jour d'éventuellement avoir une suprématie totale sur la ville. Ouais, mais si vous voulez, si vous voulez, le mode de fonctionnement de Milos Tavin est très éloigné du mien. Le problème n'est pas d'avoir des informations sur nos potentiels alliés, ce serait plutôt ça. Le problème étant que la stratégie de Monsieur Tavin, c'est plutôt là le problème. La stratégie de Monsieur Tavin, elle est claire. Vous êtes allié, pardon ? La manipulation, je suppose. La manipulation. Absolument. Bah oui, mais comme tout bon patron, messieurs. J'espère que vous ne nous considérez pas comme comment dire. Non, justement. Vous voyez. Vous savez, moi, j'ai aucune relation avec ce Tavin. Je l'ai jamais vu. Je sais même pas à quoi il ressemble. Je vais être très franc avec vous. Peut-être que lui m'a déjà vu, j'en sais rien. D'ailleurs, je serais curieux d'entendre monsieur l'avocat. Mais moi, j'ai aucune relation. Emmanuel ici présent, bon, s'il en a, je pense qu'il le dira. Ou voilà, on l'écoutera aussi après. Le fait est, c'est que dans les documents et dans les témoignages de monsieur Blake, et ça, c'est un document écrit qui est en ma possession, monsieur Tavin expliquait à monsieur Jones que l'une des missions de monsieur Jones serait certainement de mettre une balle dans la tête de Gino. Et ça serait le même fonctionnement. Le problème, avec, c'est que quand je traite avec des gens, des alliés que je respecte, je ne m'attends pas à ce qu'ils prévoient de me descendre. C'est toujours une possibilité. Par exemple, nous avons un accord, nous sommes alliés, etc., etc. Il n'y a aucun problème, j'anticipe pas le fait que je vais devoir vous tuer.
Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ce n'est pas une stratégie. Par contre, les jours où il y a un pépin, oui, peut-être. Celui qui a le plus d'informations, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, le fameux philosophe. Oui, on connaît le fameux philosophe. Oui. Et le sujet est là. C'est que directement, la stratégie de M. Tavin est de ne pas vous considérer comme un allié, mais de vous utiliser dès le départ. Et c'est le problème, c'est que je ne traite pas avec des personnes comme ça. Encore moins qui constituent un dossier. Encore moins qui cherchent à infiltrer l'organisation. Et qui me tapent dans le dos pour me brosser dans le sens du poil et qui dans le fond, ben, veut me taper le fond. Tu vois ce que j'allais dire? Alors, quel est le rapport avec mon employé ici, monsieur Emmanuel? Quel est le vrai danger qui court? On veut tout savoir maintenant, on est curieux. Et qu'est-ce que vous attendez de nous? À la base, moi, ce que j'attends de vous, c'est de vous prévenir. Si vous êtes en association avec cet homme, soyez prudent. Secondo, en ce qui concerne monsieur Racal, il semblerait qu'il ait des liens avec monsieur Tavin. Il semblerait qu'il soit associé dans certaines activités. Et je vous préviens, monsieur Racal, faites attention. Vraiment, oui. Faites attention. Ça n'est pas une surprise, hein. Vous le savez de monsieur Jones, si vous l'auriez reçu autrement, si vous l'aviez demandé. Effectivement, je travaille la cocaïne avec monsieur Tavin, du moins c'est une entente pour travailler les points. Tout comme il y avait une entente avec les Sombras pour aller travailler la cocaïne, puisqu'ils étaient dessus aussi. D'accord. Est-ce que les Sombras ont constitué un dossier et avaient pour stratégie de vous faire couler quand il faudrait? C'est-à-dire que les Sombras, ça a fait... Ouais, j'imagine, je vois le dessin que vous avez fait. Ils ont explosé en plein vol, donc s'il y avait dossier, il n'a pas eu le temps d'être terminé, effectivement. Non, voilà. Non, ce que je vais vous dire, et la méfiance que j'ai sur M. Tavin, et je pense que c'est le but de cette réunion, vous êtes, pour moi et à mes yeux, des hommes d'honneur. Je suis en partenariat avec vous, en tout cas, en bon terme. L'ami de mon ami est mon ami. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Mais ce que je veux vous dire... Monsieur McGallaghan et Monsieur Rakan, c'est qu'aujourd'hui je suis en guerre contre cet homme, que cet homme essaie de me tuer. Je ne vais pas vous demander de m'aider, je ne vais pas vous demander de prendre des risques inutiles. Par contre, par respect envers moi, si vous estimez que je suis votre allié, je vais vous demander de ne plus travailler avec ce Monsieur Tavin. D'accord, et comment on fait de la cocaïne? Je vais tuer Monsieur Tavin. D'accord. Je vais tuer Monsieur Tavin et toute son organisation. Donc je n'aurai plus ces hommes à croiser sur la route de la cocaïne. Tout à fait. D'accord. Mon objectif étant d'éradiquer ces hommes. Maintenant... Et si vous échouez? Faire ça quand? Je compte faire ça prudemment. Déjà, premièrement. Ouais, et mais ensuite... nous, si c'est prudemment et que dans un mois on les voit encore... Non. C'est un peu problématique pour monsieur Emmanuel, vous comprenez? Je compte faire ça prudemment, mais si possible, vraiment, ce soir. Mais pour ça, pour que ça se fasse vite, je vais avoir besoin de soutien. Ils sont en méfiance absolue. Je ne sais pas, monsieur Racal... Si, avec vous, vu que vous traitez sur certains points, ils peuvent avoir votre confiance. Bien sûr, je pense que oui. Est-ce que vous pensez pouvoir nous rendre un service? Service auquel, je vous le dis tout de suite, nous serons extrêmement reconnaissants et extrêmement généreux dans nos affaires. Vraiment. En fait, je m'interroge sur quelque chose, monsieur Gambino Leone. Oui. Vous êtes en guerre avec un groupe parce qu'il vous a trahi et vous nous demandez donc de faire la même chose. Donc les valeurs contre lesquelles vous vous battez, vous nous demandez de les adopter. Il y a trahison... Et trahison. C'est-à-dire que Monsieur Tavin a pour objectif, je ne le considère pas comme un homme d'honneur. Je ne trahis jamais un homme d'honneur. Monsieur Tavin n'est pas un homme d'honneur, c'est une petite crotte. Vous voyez, elle est au sol et je l'écrase, je lui pisse dessus. La trahison pour lui, c'est tout ce qu'il mérite. Il mérite que je l'égorge. Il mérite que je viole sa mère, sa grand-mère et son grand-père. Je n'ai aucun respect pour cet homme. Donc ne le traitez pas comme un homme d'honneur. Cet homme-là mérite la trahison. Un homme d'honneur, ça ne se trahit pas. Une petite merde, ça s'écorche. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà mon point de vue sur Monsieur Tavin et sur la façon dont j'aimerais le gérer. Monsieur Gallaghan, quel est votre avis? Mon avis, c'est que... Écoutez, monsieur Gino. Lui, c'est Vito. Oui, mais Gino est là aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Monsieur Gino, hein. Écoutez, mais ouais, je vais en profiter. Voilà, ça serait dommage quand même de passer à côté. Eh ben oui. Je comprends bien votre confiance bafouée, mais jusqu'ici, Tavin, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il me semble qu'Emmanuel n'a jamais été trahi ou autre par cette personne. Ah peut-être... ben, la preuve... Excusez-moi de vous interrompre. Vous n'avez pas fait un business à ce niveau-là, si vous voyez ce que... Si vous avez été trahi, c'est quelque chose à foirer dans votre plan. Non, c'est que c'est son plan général pour toutes les organisations de la ville. C'est pour ça. Mais en quoi il vous a trahi, exactement? Vous lui avez fait confiance en quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il vous a trahi? Parce qu'il voulait votre mort? Non, il voulait nous infiltrer. Il voulait nous infiltrer et à tout moment prendre le contrôle sur nous. Okay. Ça a toujours été le but. Donc là, vous dites qu'il veut votre mort? Actuellement, oui. Pourquoi? Je vous explique. De quoi? Pardon?
Quelle est cette raison, justement? Voilà, je vous explique. Tout a commencé lorsque Monsieur Blake nous a révélé les intentions de Monsieur Tavin et son subterfuge. À partir de là, j'ai compris que nous n'avions pas affaire à un allié raisonnable. Et pourquoi Monsieur Blake vous avait fait ça? Oui, j'ai fait expliquez. Ça déjà. Premièrement, j'ai fait ça parce que quand j'ai été recruté, c'était pas du tout le but de ma mission. J'ai accepté, sauf que j'ai pas du tout la même vision du business que Milos. Moi, je pars du principe que un partenariat durable est plus important que d'avoir la suprématie. Il vaut mieux partager et être sûr de son business plutôt que prendre des risques et de faire la guerre. La vision de Milos, c'est prendre des informations, en avoir le plus possible et frapper vite et fort pour écraser tout le monde. Ouais, comme tout bon chef de guerre. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Vous êtes avocat, vous devriez le donc, savoir. D'accord. Ok, donc vos alliés, vous les considérez jamais vraiment comme des alliés, c'est ça? Est-ce que vous cherchez à m'infiltrer? Est-ce que vous cherchez à infiltrer mes vos alliés? À moins que vous ayez une bonne recette de pâtes. Moi, j'en ai pas l'intérêt pour être honnête voilà. avec vous, mais... Bene. Monsieur Gallaghan, quand on est un homme d'honneur et que on est un allié, on ne cherche pas à infiltrer l'organisation d'un autre. Non, ça... j'ai bien compris voilà. votre haine et ce qui en découle. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est l'avocat. Vous auriez dû savoir qu'en fréquentant ce fameux Tavin, il marchait comme ça. Me faites pas croire qu'il s'est fait passer pour un ours à vouloir des câlins non. et après il vous a montré son vrai visage. Non, c'était pas exactement comme ça, ça s'est fait... Alors pourquoi vous avez retourné la situation subitement? Dites la vérité s'il vous plaît, que ce soit pour les Italiens ou non. Non, j'ai pas caché la vérité, mais... Pourquoi du jour au lendemain? Mais je vais vous le dire. Allez, dites. Le truc qui s'est passé, c'est que, effectivement, je commençais à avoir le plus de relations avec la famille, ça se passait très bien. D'un point de vue personnel, je commençais à les apprécier, à aimer leurs valeurs. Et Tavin me disait toujours, garde en vision qu'un jour on va devoir les trahir, garde en vision qu'un jour il faudra prendre le dessus sur eux, ce qui me plaisait pas, parce que de leur côté, par exemple, quand Monsieur Dino m'a présenté Monsieur Tavin, et que j'ai fait bonne figure de ne pas le connaître. Monsieur Dino m'a dit que c'est une personne très bien, en qui on a confiance. Je voyais qu'il n'avait pas du tout la même vision qu'avait Tavin. Et après, quand j'ai eu des retours avec Monsieur Tavin, c'est là qu'on a eu une grande discorde sur sa vision et ses intentions auprès de la famille. Okay. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, de toute façon c'est simple, en sous-titré c'est ce que ça voulait dire. Je te tiens par les couilles parce qu'avec ce que tu as fait auprès des Italiens, c'est soit eux, soit toi qui va nous mettre... Enfin, en gros, tu vas te prendre une balle dans la tête par eux ou par nous. Donc maintenant, tu continues ta mission ou sinon tu sortiras de l'organisation les pieds devant. Ouais, et il y a quoi d'étonnant là-dedans? Je veux dire, vous voyez la personne à ma gauche, Emmanuel, que vous commencez à connaître? Ouais. Le jour où il me trahit, il ressortira avec une balle dans la tête. Le jour où je l'ai trahi, je ressortirai avec une balle dans la tête. Le d'accord. jour où un Italien trahira un autre Italien, ressortira avec une balle dans la tête. Tout le monde fonctionne comme ça, monsieur l'avocat. Il y a quoi qui vous étonne là, en fait? Je suis parce que moi, j'ai pas infiltré les Italiens dans le but de les tuer. C'était juste de récolter des informations. En fait, pas que notre relation allait aussi loin. Je vais faire court. Vous êtes tombé amoureux alors. Voilà, je vais faire court. Quand ta maison c'est du caca et que tu vois la maison du voisin que c'est de l'or, eh ben tu es pas trop con. À part si t'aimes vivre dans le caca, tu te déplaces et tu vas dans la maison en or. Nous sommes la maison en or, Tavin c'est le caca. Je vois bien que vous me jugez, monsieur. Mais, non, il est méfiant, c'est normal, il te juge. Oui, je comprends, mais je comprends tout à fait, il c'est normal, pour lui je suis un traître. En fait, non mais je vous juge pas, c'est que vous avez changé de famille. Vous avez changé de famille tellement facilement. Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant que les gens recherchent votre mort jusqu'ici. Non, je suis absolument d'accord. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement vous n'êtes pas encore en train de faire votre rôle d'infiltré? Est-ce que vous n'avez pas rejoint les Italiens et c'est pas une technique de Tavin pour avoir des informations sur nous? Est-ce que vous prenez pas les Italiens à l'envers comme des cons là justement? Et si là on dit, ah oui tiens, on va vous aider les Italiens, bonne idée, et que vous d'aller vous prévenez monsieur Tavin, c'est bien, on se fait baiser là-dedans. Là c'est envers moi qu'il faut avoir confiance. Je ne recrute pas n'importe qui dans ma famille. Le problème c'est que tu as donné ta confiance bien trop vite à un avocat. Bien très vite. Tu sais qu'on parle de quelqu'un qui défend des pédophiles. Alors allons-y, mettez-moi une balle à la tête, comme ça c'est réglé. Et en plus un lâche. Non, je suis pas un lâche. Personne ne t'aimait. Bon, on va faire très simple parce que les enfantillages ça va 5 minutes. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec nous ou vous ne l'êtes pas? Parce que là, ça tourne en rond, cette discussion. Oui. On vous demande pas de participer à une guerre avec nous. On vous demande juste si on a besoin de vous. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui ou non? Ça s'appelle participer à une guerre, en fait. Demander oui, de oui, non, oui, ça dépend. Si. Ça dépend des circonstances. Si. Ah, Dino, tu... T'inquiète pas. Il n'y a pas de circonstance. Si Tavin débarque tout de suite avec 8 de ses hommes, 7-8 de ses hommes et qu'il commence à tirer dans le tas, on prendra des balles, on mourra. Juste parce qu'on était avec vous et on était témoin de exactement. Cette guerre. Donc... Je vous demande pas exactement. De venir à la plage écoutez-moi, avec moi. Écoutez-moi, Gino, s'il te plaît, Gino. On va pas hausser le temps, tranquillement. Vous avez perdu votre accent italien, c'est on le discute. Stress. Qui ça, moi? Oui. J'ai jamais eu vraiment d'accent italien, vous savez. On s'en fout, s'il vous plaît, messieurs, un peu de sérieux. Je comprends la réticence de ces messieurs. Je la comprends parfaitement. Un traître est un traître. C'est l'image dans notre milieu, c'est comme ça. Il a changé de foyer, il est mal perçu. Mais moi, je vous prie de me croire, vraiment.
Faites-moi confiance, je vous le demande. Ne voyez pas, ne cherchez pas d'obtenir la parole d'un traître si vous le voyez comme un traître. Mais ma parole, je peux vous assurer que cet homme ne trahira jamais la famille Gambino et ne vous impliquera, comme moi et ma famille, ne vous impliquera jamais à charge comme a pu faire Monsieur Tavin d'ailleurs. T'avais proposé une récompense si jamais en Ted. Tu peux nous en dire plus ? Si. J'ai cru comprendre que Monsieur Rakal était intéressé par de l'armement. Bien sûr. Voilà. Je vais mettre carte sur table avec vous. Est-ce que vous êtes intéressé par la revente d'armes ? Pourquoi pas ? D'accord, Ben. Je vous propose la chose suivante. Une sorte de partenariat, parce que nous, vous savez bien, on vous avait expliqué la dernière fois que la revente d'armes, c'est notre fonds de commerce principal. Et je vous propose la chose suivante. Un pourcentage très bas lorsque vous nous achetez notre armement. Nous, on fait un pourcentage de, Gino, tu me dis si je me trompe, mais de 20-25%, je crois, une plus-value. 20%. 20%. On vous propose de faire pour vous 5%. À la suite de quoi, vous pourrez tout à fait revendre avec une plus-value de 15% ou 20% aussi, si vous le souhaitez. Qui vous dit qu'on n'a pas déjà le point ? Oui, non, mais vous pouvez peut-être avoir le même fournisseur, si je peux me permettre. Notre trafic, comme je vous l'avais expliqué, notre objectif dans le trafic d'armes, c'est d'avoir le monopole du trafic d'armes. Ouais. Vous m'aviez dit la dernière fois que vous n'étiez pas intéressé par le trafic d'armes. Bien sûr. Si je veux une arme, j'irai la chercher. J'ai besoin de personne ni de pourcentage, et c'est pas cette personne à gauche, ni encore moi celle là-bas qui nous en empêchera. Mais le truc, c'est que la vente d'armes passera par la famille. Vous voyez ce que j'avais dit ? Ouais, mais non, on veut pas. Le problème, c'est que ça fait 2 semaines qu'on achète des armes sans passer par vous, monsieur Gambino. Voilà, et c'est là où je vais en venir. C'est que pour l'instant, oui, bah évidemment, pour l'instant... Merci. Pour l'instant, on a d'autres choix à fouetter, vous voyez ce que j'avais dit. Mais viendra un moment où, bien évidemment, ça sera dangereux de traîner dans le coin. Oui. Et ça sera dangereux pour tout le monde. Dangereux pour qui ? Pour celui qui a les armes ou pour ceux qui les vendent ? Hein ? Non, je vous en prie, continue. Non, j'ai pas compris. Oui, d'accord, si, j'ai compris. Pour tout le monde, pour le coup, pour tout le monde. La proposition que je vais vous faire, c'est de vous laisser un des points. Un pourcentage de 5% sur un des points d'armes et l'autre, vous faites libre accès. Vous faites ce que vous voulez. Monsieur Gambino Leone, vous n'avez pas fait un bac de commerce, dites-moi. Non, pas du tout. Parce que vous nous proposez d'entrer en guerre avec vous contre un groupe et nous proposez de payer plus que ce qu'on paye déjà sur quelque chose qu'on a depuis 2 semaines. Oui, mais ça va changer. Excusez-moi, monsieur Gambino, mais là, vous me faites un petit peu rire. Vous savez, les points, si on les veut, on y va. Hein. On a besoin de personne et personne nous mettra de stop. Hein. C'est pas un bon business. Maintenant, pour finir cette guerre-là, votre guerre, on sera jamais contre vous, parce qu'on trahit pas, mais on sera pas avec vous non plus, parce que j'ai aucune raison d'aller tuer des gens que je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez être sûr qu'on sera pas contre vous. Peine. Voilà. Mais par contre, vous pouvez comprendre qu'on va pas risquer notre vie pour vos histoires à cause d'un avocat véreux qui traîne un petit peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Merci. De rien. Ouais, excusez-nous, mais c'est vous qui avez quitté un groupe pour rejoindre un autre, hein, pour assumer l'étiquette que vous avez sur le front désormais. Ça va falloir que vous le compreniez, monsieur Gambino Leone. Vous voyez ce que je veux dire ? Gambino Leone. Je pense que même vous avez peut-être tendance à faire un peu trop confiance. Et la guerre n'est pas la seule solution, vous pouvez peut-être discuter. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer dans cette guerre qui finalement ne nous regarde pas, monsieur Gonéon. Ah, c'est pas ce qu'on vous a demandé depuis le début, hein, si vous suivez. Non, bien sûr, non, mais je préfère vous le dire. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, monsieur Rakal était. Oui, chiffonnant, chiffonnette, comme vous voulez. Monsieur Rakal était intéressé la dernière fois par notre service d'armes. J'étais très intéressé de savoir ce que vous proposeriez, effectivement. Ah oui. Parce que connaissant les prix, pas pour un con non plus. Pardon ? Ah, il vous prend pas pour un con. Oui. Par contre, attendez. Un chouïa quand même. Attendez, c'est quoi ? Allez-y, finissez. C'est quel genre de discussion là que vous faites ? Comment ça ? Non, parce que je parle depuis tout à l'heure à quelqu'un d'intéressant. Et là, vous êtes agressif, monsieur. Moi, je vous dis, on a écouté votre discours jusqu'au bout pour voir le prix et à quel point le tube vous allez nous le mettre dans le cul. D'accord ? Le prix des armes, on le connaît très bien. Il est profond ou pas ? Le tube. 5%. 5%, oui, oui. Oui, j'espère que ça vous fait plaisir. Oh non, mais par contre, le tube que vous pouvez recevoir à tout moment, j'espère que ça vous fera plaisir. Oh, je pense pas. Messieurs, on va arrêter de jouer à celui qui a la plus grosse et celui qui a la dernière goutte de répartie, ça ne sert strictement à rien et ça commence à me taper sur le bassinet. Ici, on est entre hommes d'honneur, j'ose l'espérer, on n'est pas là pour se marcher sur les pieds. On est d'accord. Tu es mon allié préféré. Ma stratégie, je vais t'avouer un truc. Ma stratégie vous concernant sur les armes, ça a été de vous laisser le libre accès. Le libre accès total, tel que vous l'avez maintenant, et basta. On avait compris ça avant que tu parles de pourcentage. Voilà, exactement. Le pourcentage, bon, c'est arrivé après. Moi, je vais reprendre mes stratégies. Écoutez-moi. Je vais reprendre mes stratégies telles que je les avais envers vous dès le début. On continue comme ça. Vous avez les points d'armes, vous faites ce que vous voulez. Ce qu'on va vous demander, par contre, par respect, vraiment par respect, c'est ne pas de revendre des armes. Vous voyez ce que je vais dire ? Par respect envers
vers notre business. Vous achetez ce que vous voulez, au prix que vous voulez, quand vous voulez, etc. C'est pas à l'heure, on compte rien revendre du tout, et au pire on en reparlera à ce moment-là. Voilà, parce que en j'allais dire... vous avez une sacrée épine dans le pied, messieurs, et la vie c'est pas un jeu vidéo, d'accord? Quand on meurt, c'est terminé. Exactement. Quand on meurt, on est mort, hein. Maintenant voici ce que je peux vous proposer. Déjà, je peux vous proposer la chose suivante. Si vous acceptez de nous aider par l'intermédiaire de Monsieur Racal, qui pourrait avoir la confiance de Monsieur Tavin, à éliminer Monsieur Tavin et son groupe, je peux vous proposer la chose suivante. 20 000 par tête. 20 000 de quoi? De propre ou de sale? Tu me dis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il nous faut, patron, pour améliorer la qualité des freins des taxis? Les freins en céramique de nos jours, ça vaut un petit peu plus que 20 000, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Oh, je pense qu'un petit effort peut être fait. Dans ce cas-là, je dirais 35. Par tête? Non, là, faut pas déconner non plus. 35 pour faire tomber? Ils nous ont proposé 3 fois plus juste pour vous deux. Ah, vous êtes en relation avec ce monsieur Tavin? Bah non, mais toi, tu gobes tout ce qu'on dit apparemment, comme l'avocat te parle et t'as tout gobé. Si, ils l'ont fait. Et non. Oui, bien sûr. Bah, comme vous dites que vous voulez pas leur vendre des armes alors que j'ai les tarifs que leur ai proposés. Mais bon, c'est pas grave. Ah bon? C'est sûr que je vais rien dire. Eh ben, dis-moi les tarifs, allez, fais-moi plaisir. Et pourquoi tu dis vous? Leur ai proposé à 90 000. Pourquoi tu dis vous? De quoi? Pourquoi tu dis... Bah je sais pas, vous parlez au nom de Monsieur Racal, donc je suppose que vous travaillez avec lui, non? Je n'ai jamais vu Monsieur. Vous parlez Thomas. D'armes, voilà. Vous comprenez le français ou pas? D'accord, ok. Voilà. En attendant... Bill, je, tu quand te je dis vous, c'est tous les deux. Bill, d'accord. Va faire un en tour. En attendant, ferme là et va faire un tour là-haut, comme il a dit. Reçu. Je vais vous demander de rester courtois quand même, parce que sinon je pense qu'on va avoir un petit problème. Vous en avez rien à foutre. Je le connais pas, c'est pas ta famille, c'est non, pas c'est... Bon, désormais, il n'y a pas de problème. Désormais, je pense qu'on est plus en situation de confiance. Je gère la conversation, s'il te plaît, Gino. Pour ma part, en tout cas. De quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu non plus. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec vous, monsieur Gambino Leone. Et ben voilà. D'accord, il fait son caca nerveux. Il est chargé des opérations, il n'est pas chargé de la conversation. Ce con, putain. Bon, du coup, on change les plans. Est-ce que vous pouvez buter Gino pour... Ça, oui, bien sûr, tu proposes combien? Combien? Ok, bah allez-y. Non. Écoute, je serai toi, je ferai attention. Yes, votre point de vue sur l'avocat. Et je vous dis qu'il n'y a aucun danger sur l'avocat. Vous n'avez pas les relations qu'on a eues. Vous n'avez pas les... Vous savez, c'est un peu comme on a un pote, il a une meuf très bonne, et elle trompe son pote avec toi. Ouais, et après, elle se met avec toi. Bon. Comment tu peux avoir confiance en elle? J'ai laissé. Entre toi et moi, pourquoi tu balancerais pas ton avocat de mort, là? Vous faites la paix avec Tavin? Tu choques l'argent? Non, certainement pas. Ah, bah, un homme, la paix avec un homme qui veut me trahir et qui veut me la faire à l'envers. Mais justement, tu peux créer un compromis, un traité de paix, si tu vois ce que je veux dire. Si tu peux me permettre... Ça se négocie, c'est un contrat de confiance, comme si tu dis. Si je puis me permettre... Il n'y a pas de contrat de confiance. Le contrat de confiance, il l'a brisé, ce Tavin. Si je puis me permettre, la stratégie qu'il a employée d'envoyer un espion chez vous, si vous l'aviez fait, vous auriez su qu'il y avait un espion. Mais je ne sais pas, mais peut-être que je suis naïf. Peut-être que je suis stupide. Mais je suis un homme d'honneur. Je ne fais pas ça envers mes alliés. Peu importe, j'ai ma fierté. Maintenant, ça, je comprends que vous ne pouvez pas le comprendre. Mais moi et ma famille, on n'agit pas comme ça. Je n'intègre pas n'importe qui non plus dans ma famille. Si l'avocat est avec nous maintenant... What? Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Mais qu'est-ce qu'il... Dans la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans la voiture. Mais qu'est-ce que... Dans la voiture, maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu... Mais... Non, il faut pas tuer. Ah putain. Je vais pas bien, ça va ou quoi, Manu? Ils m'ont loupé, ces chiens. Ces putains d'enfoirés. J'ai appelé les secours, putain. Tiens-toi bien. Ils m'ont loupé, ces chiens. Ah putain. Ah putain. Ça va pas. Faut que je trouve un téléphone. Il y a bien un téléphone dans ces entrepôts. Heureusement que j'ai les cuisses solides et que je me suis effondré, putain. On va fouiller là. Allez, un téléphone. Oh putain. Oh d'où Jésus. Une carte prépayée, on peut appeler les secours gratuitement. Ah putain. Ah, alléluia. Faut que drague, j'appelle mon opérateur pour transférer les contacts. Ah putain. Voilà, bien bonsoir. Bonsoir madame, j'ai reçu des balles. Mais avant, il y a mon copain qui est tombé dans le coma. Et il est où votre ami? Il est dans un garage tout là-haut. Un garage tout là-haut? Ouais. Écoutez, attendez, installez-vous dedans. Tenez. J'appelle mon opérateur. Ouais, installez-vous juste dans l'ambulance s'il vous plaît. Allez, j'ai peur, faut pas qu'on reste trop longtemps ici s'il vous plaît. Oui, pas de problème. J'ai reçu des balles madame. Hein. Oui, mais restez dans l'ambulance s'il vous plaît. Ouais, mais j'arrive pas à rentrer. Ah merde. C'est embêtant. Il est derrière. Il est tout au fond dans un garage. Ok, juste un instant. Donnez-moi juste votre main. Tenez. Ouais. Faites-moi les premiers soins, ça va pas s'il vous plaît. Ouais, c'est pour les antidouleurs. J'ai la tête qui tourne. Ok, je vous ai posé un garrot. Ah putain. Donnez-moi de l'eau. Oui. Et c'est derrière, c'est aller au fond. Et on c'est va bon, nickel. Assez urgent, s'il te plaît, c'est un blessé par balle. Ouais, appelle la police. Appelle la police pour que tu craignes rien non plus. Oui. Appelle le commandant.
Il faut que tu craignes rien là, ils peuvent revenir. Oui, la police arrive. Ah putain. Ils sont là. Vite, il est dans un garage au fond là. Reculez. Il est dans un garage, il faut trouver quelqu'un dans un garage. Il y a des garages derrière là. Derrière. C'est tout au fond. Derrière ? Dans un. Encore, allez-y. C'est lui. Je crois, putain. Celui-là ? Ouais, à droite. Non, c'est pas celui-là, c'est écoutez, pas celui-là. Écoutez-moi les flics, écoutez-moi là. Oui. C'est ces putains de salopes d'Italiens là. Ces fils de Italien pute. J'ai reçu deux balles, d'accord ? Vous Dès que j'ai reçu deux balles, j'ai simulé que j'étais mort. Ils ont essayé de m'achever, apparemment ils ont pas réussi ces trous de balles. Est-ce que vous avez des noms, monsieur ? Est-ce que des Italiens, il y en a c'est beaucoup. Les Italiens, Gino, Vito, tous ces fils de d'accord, pute. D'accord, voilà, c'est juste que je sors. Très bien. Retrouvez-les-moi ces chiens là. Il est où votre ami qui est blessé ? Il était à terre, je sais pas, il est peut-être dans l'autre garage plus loin encore, je sais pas. Ok. Faut aller voir, mais peut-être l'unité X. Non, c'est l'unité X, dites-leur. Kelly, à radio, s'il vous plaît, il me faudrait une confirmation que vous avez bien reçu un blessé par balle par l'unité X, s'il vous plaît, merci. Ah putain, ces fils de pute. Ouais, c'est assez urgent, s'il te plaît, tu me le gardes. En observation. Ah putain, j'ai rampé, bordel, pour trouver un téléphone de merde. Je vous garde votre téléphone, j'appellerai l'opérateur. Oui, pas de problème, ça existe pas. Ah putain. Garde-le. Il me faudrait me préparer un bloc, s'il vous plaît, j'ai un blessé par balle, une balle dans le bras, du coup. Ça et... va, c'est bon, y a pas d'organe touché. J'ai plus rentré. Ouais, bon, ça, attention, on verra sur place. Oh bordel, regardez la route. Ouais. J'ai pas d'organe, je m'y connais, j'ai fait le Vietnam, bordel. Pele. Allô. Bingo. Allô. Eh, trouvez ces fils de pute d'Italiens et tuez-les. Ok, discret. Reviens tout le monde à la radio. Bon, vas-y, oui. Ça fait chier. Opérateur, allez, hop, c'est bon. J'ai mal au bras gauche. Attends, bouge pas. Je l'ai tendu. Je vous aide à vous relever. Hop, je vais me mettre sur la table et je vais vous allonger sur le dos. Pele. Allô. Ouais, vous êtes où? Je suis à l'hôpital, vous pouvez venir, c'est bon, je suis sûr. Ok, et... Je vais juste prendre votre téléphone, du coup. Non, crois-moi. Ah, si, il faut que... Non, je viens de recevoir deux balles, la tête de ma mère qui est dans mon calbut, va le chercher, si tu veux. La tête de ma mère aussi, il faut que je fasse une radio pour accéder à vos balles, bordel. Une radio, j'en ai rien à foutre, fais-la. Putain, et tu me rends direct, fais allez, ta radio, je prends le portable. Dépêche. Hop. Fais vite. Hop, enfilez le masque, vous inquiétez pas. Ça va être rapide, hein. Putain, je vois des gros seins partout. Parfait, nickel. Bah, regardez-les bien, vous allez vous endormir. Non, c'est pas vous. De toute évidence, c'est pas vous. C'est bon, oui. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ah, putain. Vous sentez comment ? Bonjour. Dans le coltard, putain. Elles sont où mes affaires ? Je commence à avoir froid, là. Hop. Voilà. Allez, je repose sur le lit avec toutes mes affaires dedans. Merci, putain. Bon, du coup, il va falloir repasser demain et après-demain pour vos blessures par balle, bien sûr. Ah, putain. Enfin, désinfecter, tout ça. Ah, spaghetti au pisson. Attendez. Ouais. C'est qui là ? Vous êtes qui, monsieur ? Moi je m'appelle Philibert. Ok, rien à foutre, Philibert, écartez-vous s'il vous plaît, j'aimerais parler à un ami. Écoute-moi, Manu. Ah, pizza. Manu, écoute-moi bien. Spaghetti au pisson. Je sais que tu m'entends, bordel. Tu vois ces petits fils de pute ? Écoute bien, hein. La tête de ma mère. Écoute. Pizza. J'ai pas fait de coma, je me souviens de tout. On va les désinguer, ces fils de pute. Je sais pas si tu m'entends, ferme ta gueule. Mais on va les désinguer, t'entends ou pas? On va les désinguer la tête de ma mère qui vont manger des pâtes avec leur cul, ces fils de pute, t'entends ou pas? Spaghetti au pissenlit. C'est rien. Là, ils rêvent de manger de l'italien, là. Vous inquiétez pas. Ouais, non, y'a pas de soucis, si vous voulez défouler, allez-y, hein. Je peux récupérer mon téléphone, s'il vous plaît, juste pour... Oui, normalement, vous avez la caisse, ici. Écoute, madame, merci pour le téléphone, je vous dois combien? Tout à l'heure. Ah non, rien du tout. Ok. C'est un service gratuit. Vous avez un autre téléphone ou pas, je vous paye. Attendez, qu'est-ce qui arrive? Écoutez-moi, monsieur, bien, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, putain. Oui, je vous écoute. C'est pas grave, il rêve de bouffer de l'italien, il va le faire. Ouais, nickel. Bon, écoutez-moi ouais. bien. Je vais vous donner de l'argent hein, pour les téléphones. Non, je veux pas votre écoutez, argent. Écoutez, putain. On est mais je veux pas votre argent. Ok, mettez-lui un putain de téléphone, d'accord? Vous appellerez l'opérateur, il retrouvera ses contacts. Et quand il se réveille, vous lui donnez ce téléphone, ok ou pas? Ok. Notre opérateur, c'est SFR. C'est de la merde, mais ils font une bonne promo à 30 balles par mois. Ça ok. Eh, c'est qui, madame? C'est qui, ce monsieur? Lequel? Le derrière, là. Alors là, je sais pas du tout. Attendez. Oh, putain. Vous avez vos papiers sur vous, du coup? Oui, ouais, vous êtes ouais, tenez. Allez. Ils étaient dans mes fringues. Attends, je donne les papiers à la dame, Chine la décharge. Ouais. Je vais vous raconter tout, mais ces fils de pute d'Italien, on va les retrouver. Demande à Lara Croft qu'elle nous aide, bordel. Ouais, écoutez, bonne soirée. Et monsieur Van Tung. Ouais. Oubliez pas de repasser pour les résultats de gazométrie. Attends, il y a trop de voix. Yes, bonne soirée. Bon. J'ai planté Jonathan devant l'hôpital. Pourquoi? Devant les flics. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il se bat, j'ai mis une droite parce qu'il se plaignait. C'est qui eux? Et il ose me répondre, je sais pas. Bien. Tu vois celui qui était avec Lara Croft là. Ouais. Lui c'est un mec qui fait le malin avec Jameson, Jonathan et moi-même. Il a vu le planter et il vient continuer à faire le malin. Lui on va le choper, on va le planter aussi. Je pense que la fourrière a embarqué mon véhicule de taxi, il faudra qu'on le récupère. Ouais.
Je sais pas où, alors il y est peut-être encore, mais on va pas y aller maintenant. Ah putain, tu vas me demander de faire une cascade? J'ai pas fait de coma, je sais tout ce qui s'est passé. Voilà, on fait le tour. J'ai reçu 2 balles et je me suis écroulé. Non, vas-y, cascade. Ok, cascade. Hop, cascade. Voilà, j'ai pas utilisé le bras. Donc je te la fais courte. Bon, tu demandes à tout le monde de venir ou pas? Tu m'emmènes où? Au bureau. Ok, demande à tout le monde d'y aller. Tout le monde rendez-vous au bureau. Il me faut une radio, t'as une radio ici ou pas en plus? Il y en a dans la boîte à gants. Attends, je me la remets dans l'oreille. Ouais, elle me souvient déjà tout à l'heure, elle aussi, là. Je suis pas au bureau. Ouais, ici radio, putain. J'ai retrouvé une oreillette. Bon. Ça va ou quoi? Non, les Italiens nous l'ont mis à l'envers. Manu, il est tombé dans le coma. Ils nous ont tiré dessus gratuitement, évidemment, il n'y avait aucune vraie raison. On s'est foutu de leur gueule et tout, parce qu'ils nous proposaient le pire business du monde. Manu est tombé dans le coma. Moi, j'ai reçu 2 balles et j'ai fait comme si je tombais dans le coma aussi. Sauf que c'était une petite stratégie, tu connais, parce qu'ils étaient bien plus nombreux. On va les retrouver, ces fils de pute, et on va les tuer un par un, tout simplement, messieurs. Je pense que la raison, vous la connaissez maintenant. Hein. Donc, dès que vous avez l'occasion d'en voir un, c'est une balle dans la tête. Venez au bureau, j'ai une piste. La voiture rouge, je la suis là. Très bien. Tu te souviens le deal que Tavin nous avait proposé? Ouais. Eh ben on va aller l'accepter. Comme ça on se fera de l'argent. Et une raison de plus pour les enculer. T'en penses quoi? Ah mais j'ai pas vraiment la raison pour l'instant de qu'est-ce qu'ils ont fait là. Les Italiens. Ils ont mis Manu dans le coma et ils m'ont tiré des balles, c'est pas une raison suffisante pour toi? Pourquoi ils ont fait ça? Tu t'expliqueras en haut. Pourquoi ils ont fait ça? Bah je vais te l'expliquer, ouais.